Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Construire l'image d'un objet à travers une lentille est l'objet de cette vidéo. Alors, quand nous parlons de lentilles, il faut savoir qu'il en existe deux grands types de lentilles. Les lentilles convergentes, encore appelées lentilles à bord mince, et les lentilles divergentes, encore appelées lentilles à bord épais. Comment est-ce qu'on représente de manière symbolique une lentille convergente? Lentille convergente se représente ainsi. Il y a les deux bouts, les deux extrémités fléchées vers le haut et vers le bas. Et une lentille divergente, on voit que la lentille à bord épais se représente ainsi symboliquement. Alors, il est question dans cette vidéo de voir comment construire l'image d'un objet AB à travers une lentille convergente et à travers une lentille divergente. Nous avons ces deux premiers cas qui concernent un objet réel. Et ce dernier cas qui est celle concernant la construction d'une image d'un objet virtuel AB à travers la lentille convergente. Bon, pour construire l'image d'un objet à travers une lentille, il faudrait que les conditions de Gauss soient respectées. Il y a deux conditions de Gauss que vous savez certainement. Et après cela, vous devez connaître le principe de construction. Comment est-ce qu'on s'en sert les différents rayons? Le premier rayon, le deuxième rayon, le troisième rayon pour construire, ou alors pour retrouver l'image A'B' de l'objet AB à travers chacune des lentilles. Quand vous avez maîtrisé le principe, alors la construction se fait très très facilement. Alors, je vais vous donner les trois principes de construction. Le premier rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié parce que la lentille est diaphragmée, c'est-à-dire munie d'une ouverture centrale par laquelle le rayon va passer sans déviation. Ça, c'est la première condition de Gauss, dont la lentille doit être diaphragmée. Deuxième rayon, deuxième principe, tout rayon incident parallèle à l'axe principal, cela c'est l'axe principal, on peut appeler axe optique, tout rayon incident parallèle à l'axe principal immerge la lentille en passant par le foyer principal, image F', ça c'est dans le cas de la lentille convergente, ou bien en semblant provenir du foyer principal, image F' dans le cas de la lentille divergente. Le troisième rayon, le troisième principe de construction. Tout rayon incident passant par F émerge parallèlement à l'axe principal. On dit bien, tout rayon incident passant par, donc par F émerge parallèlement à l'axe principal, que ce soit dans la lentille convergente ou bien dans la lentille divergente. Ça émerge parallèlement. Voilà. Nous allons maintenant faire la construction proprement dite pour que vous voyez comment est-ce que cela se passe. Alors, nous commençons avec cette première figure. Avant de le faire, je vais vous donner la deuxième condition de Gauss. On a dit que la première c'était la lentille doit être diaphragmée. Voilà. Et la deuxième condition de Gauss, c'est que l'objet doit être situé au voisinage de l'axe principal. L'objet AB doit être situé au voisinage de l'axe principal. Voilà. Bon, première construction, on part de B et A étant déjà situé sur l'axe principal, donc on ne s'intéresse pas à A. On s'intéresse au point B qui est au voisinage de l'axe principal. On va donc rechercher la position du point image B' à travers les différentes lentilles. Donc, voilà comment est-ce que vous devez voir la chose. On ne s'intéresse pas à A. A' sera aussi sur l'axe principal, ce qui est sûr. Et B maintenant, c'est son image que l'on recherche. Je pars de B, du sommet B. Ton rayon incident qui passe par le centre optique O ne subit pas de déviation. Voilà. Là, c'est le premier rayon. Il faut toujours orienter. On oriente. Voilà, par une flèche. Le deuxième rayon,
qui est parallèle à l'axe principal, deuxième rayon incident, qui est parallèle à l'axe principal. Image en passant par F', c'est-à-dire par le foyer principal image. Voilà. On voit qu'il y a intersection là. Là, nous avons déjà B'. Et là, on va un peu allonger l'axe principal pour mieux placer A' et B'. Là, nous avons la position de l'image. A', B'. Voilà. On oriente également les rayons. Ça, c'est le deuxième rayon. Il correspond au deuxième principe de construction d'une image à travers une lentille. Bon, le troisième rayon est généralement facultatif. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser ou pas. Mais moi, j'utilise généralement ces deux premiers rayons pour construire l'image. Mais cependant, je vais vous montrer le troisième principe. Tout rayon incident passant par F, c'est-à-dire par le foyer principal objet, émerge parallèlement à la lentille. Bon, je vais faire ça en très fin. Vous voyez que là, ça émerge parallèlement et ça converge toujours au point B'. Voilà, voilà le troisième rayon. Je mets une triple flèche. Donc, nous avons respecté les trois principes dans ce premier cas. Dans les autres cas, je vais utiliser juste deux rayons pour ne pas encombrer le chemin. Donc, vous venez de voir comment est-ce qu'on utilise le principe, les différents principes de construction associés aux deux conditions de Gauss. Pour pouvoir représenter l'image d'un objet à travers une lentille. Vous savez, une condition de Gauss, les conditions de Gauss sont des conditions d'obtention d'image nette. Oui, ce sont les conditions d'obtention d'image nette à travers une lentille. En supposant que l'écran doit être placé juste derrière la lentille, il faudrait que l'image se forme nettement sur l'écran. Bon, nous prenons maintenant le deuxième cas. Ici, nous avons affaire à un lentille divergente. Alors, on va aller plus vite. Donc, premier rayon incident qui passe par O ne subit pas de déviation. Voilà. Deuxième rayon incident parallèle à l'axe principal. Image en semblant provenir de F'. Donc ça émerge comme ceci, en semblant provenir. Donc on va prolonger en interrompu en arrière, comme ceci. Donc vous ne pouvez pas représenter deux rayons en très fois dans le même espace. Donc ça c'est le rayon incident dans l'espace objet. Le rayon émergent, puisqu'on prolonge ce rayon émergent jusqu'à F', ça doit être fait en interrompu. Et là, nous avons le point d'intersection entre le rayon incident et émergent. Nous retrouvons dans la position de l'image A'B'. Ça, c'est une image virtuelle. Une image virtuelle en interrompu. Là, nous avons A'. Et là, B'. Voilà. Bon, il faut orienter les rayons. Deuxième rayon. C'est tout pour la deuxième construction. Donc, vous voyez, c'est assez simple lorsque vous avez le principe au bout des doigts. Finissons-en avec le troisième. Donc, là, nous avons maintenant fait un objet virtuel. AB est un objet virtuel. Ici, AB est réel, AB est réel. A'B' est réel ici, mais A'B' ici est virtuel. Ici, AB est virtuel. Lorsqu'un objet ou bien une image
sont virtuels, on les représente en interrompu. Et quand l'objet se retrouve de ce côté, ça c'est l'espace objet. Ça c'est l'espace objet. Donc lorsqu'un objet est de ce côté, c'est un objet réel. Lorsque l'objet se retrouve de ce côté, c'est un objet virtuel. Et cet espace, c'est l'espace image réelle. Espace image réelle, espace objet réel. Donc vous pouvez prendre ça comme ça. Espace objet réel, espace image réelle. Donc si l'image se trouve ici, l'image est réelle. Une fois que l'image se retrouve de ce côté, c'est une image virtuelle. Bon, nous continuons. Je me place comme ceci pour une bonne visibilité. Je cherche le point B'. Le rayon part de la gauche vers la droite. Comme ceci. Jusqu'en B. Vous voyez? Voilà. Deuxième rayon. Parallèle à l'axe principal. Vous voyez bien? On part de la gauche vers la droite. Premier rayon, ça atteint la lentille. Mais on n'est pas encore au point B. On va prolonger en interrompu jusqu'au point B. Voilà. Ce rayon-là maintenant doit émerger en passant par F'. Voilà. Là, je pars de la lentille et je passe par F'. Et le tour est joué. Là, c'est le premier rayon. Dans ce genre de construction, on voit souvent des gens, c'est-à-dire des élèves, qui vont mettre les flèches comme ceci. Non. Le rayon lumineux est orienté de la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. Et non pas de la droite vers la gauche. Pas comme ça. Donc, mettez pas comme ceci. Non. C'est pas bon. Voilà. Donc, deuxième rayon. Le point d'intersection est donc là. On représente l'image. Je vais faire ça me lever. Là, nous avons une image. Elle est réelle, donc très fort. Voilà. Elle est réelle. L'image ici est réelle. Elle est très fort. Là, nous avons A', B'. A', B' se retrouve bien dans l'espace image, comme je le disais tantôt. Ça, c'est l'espace image réel. Espace objet réel. Donc, lorsque vous avez affaire à une lentille, considérez la lentille comme l'axe des abscisses et l'axe principal comme l'axe des ordonnées, d'un repère autonomé. Vous voyez que comme ça, c'est positif, positif, négatif, négatif. Donc, un objet qui se retrouve de ce côté, OA, une valeur algébrique, est inférieure à 0. Tandis qu'ici, OA' est supérieure à 0, algébriquement. De même, AB est supérieure à 0. Et A'B', ici, algébriquement, est inférieure à 0. Puisque A'B' est renversé par rapport à l'objet. Ici, AB et A'B' sont droites. Évidemment que l'image est droite, ça concerne le sens. Ici également, l'image ici est droite également par rapport à l'objet. Donc, dans la deuxième vidéo, nous allons voir comment appliquer la formule de conjugaison et du grandissement pour déterminer exactement la position réelle OA' et la grandeur A'B' de l'image à travers une lentille. Alors là, s'arrête cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser également un commentaire. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos. Alors, on se dit au revoir.